Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas si vous êtes aussi au courant de cette histoire. Moaminga avec le père de son enfant, ça brûle depuis quelques jours sur la toile où le père de l'enfant de Moaminga réclame son enfant et Moaminga essaie un peu de... Sauf que dans cette histoire, Moaminga nous a donné deux versions que j'aimerais partager avec vous. On appelle ça la force des archives. Écoutons la première version. Ok. Quand tu vois l'Europe, il te dit que je suis enceinte. Au début, tu as nié la grossesse ou bien tu as accepté? Je ne veux pas nier la grossesse parce que c'était moi le propriétaire. Au départ, tu as d'abord dit quoi? Tu disais que je n'étais pas ton enfant, donc tu doutes que ce soit ton enfant. Je ne te voyais pas avec le gars du quartier là. Tu marchais avec lui. Oh, Joël, je n'ai pas ma vie ou non. Il a accepté l'enfant. Il a accepté l'enfant. Ouais, Joël. Quand j'accouche, deux mois après mon accouchement, parce que l'enfant prenait à ton lait visage là, qui était comme la houe là. L'enfant ressemblait à ton enfant. Tu dis accepter. Non, que Joël, tu as accepté l'enfant à deux mois, s'il vous plaît. Joël, il a accepté l'enfant à deux mois. C'est là qu'il commence à m'appeler. Il envoie d'abord sa mère pour dire à sa mère que s'il te plaît, essaie un peu d'appeler Laure, que tu veux aller voir l'enfant, tu as préparé la nourriture pour l'enfant. Je t'ai dit quoi? J'ai accepté parce que c'était le père de mon enfant et moi je ne pouvais pas mentir à un autre homme que c'est lui qui m'a enceinté, étant donné que c'est le seul homme que j'ai connu. Il a vu que c'était il a su que c'était son enfant. Il a encore disparu pendant au moins un an et demi. Il n'était pas là. Il dit que Joël n'a jamais vu son enfant. Joël voit son enfant à travers les téléphones. À travers les téléphones, quand il veut causer, quand j'ai l'occasion, quand l'enfant vient ici, là, il causait son enfant. Il n'a jamais vu l'enfant. Aujourd'hui, là, tu viens réclamer l'enfant jusqu'à tu parles à haute intelligence. Vois, genre, l'enfant aura une belle vie en Europe. Depuis que l'enfant est né, tu as entendu que l'enfant là souffre. Ouais, venez. Là, c'était la première version. Écoutons maintenant la deuxième version. Ok. Je suis tombée enceinte. Lui, on avait fait les concours ensemble. Moi, j'ai fait la police. Il a fait les IDE. Lui, il a réussi, j'ai échoué. Et après, il fallait qu'il parte en formation. Il est parti en formation à Ebolova. Il devait faire trois ans. La première année, j'étais enceinte. Il fallait que je me batte pour prendre soin de la grossesse. Parce que lui n'avait pas. Il fallait vraiment qu'il se batte. Il n'avait pas encore. Il était professeur vacataire ou bien professeur plein? Vacataire. Non, il pas. Était, bah, il était plein. Il n'a pas fait le concours. Vous avez demandé que c'était le temps que ça se soit. Il fait les vacations. Non ouais. Après, il est parti à Ebolova. Maintenant, quand il partait, il m'avait donné 15 000. Je pense à 15 000. C'est une bonne séparation. Et déjà, il m'avait déjà enlevé chez ses parents parce que sa mère me mettait trop mal à l'aise. Oui. Il m'a enlevé, il m'a dit que non, comme je suis en train d'aller en formation, je préfère que tu rentres louer. Et on a payé la chambre. La chambre, c'était 10 000. La chambre moderne, c'était 10 000. J'ai payé la chambre et après, il m'a donné 15 000. Les 15 000, je ne savais pas quoi faire avec. J'ai commencé à acheter le porc et puis j'ai commencé à vendre, à préparer la vente. C'est une espèce protégée. Donc j'ai préparé, je vendais. Yanga. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir un peu l'argent pour faire les soins de la grossesse. Et de temps en temps, je l'aidais à payer la chambre Ebolova et avoir un peu de sous pour payer certains trucs à l'école. Mais tu allais Ebolova un peu pour arranger les oreilles de l'enfant, le nez et tout ça. Tu prends ça petit comme ça, partais Ebolova. Donc quand ça me piquait comme ça, principalement là où tu parlais. Déjà, j'ai laissé l'école. Oui, j'avais allé parce que j'étais déjà enceinte. J'étais déjà enceinte et le père de ma fille n'était pas là. Donc du coup, il fallait faire un choix. Et je ne pouvais pas avorter pour dire qu'il rentre à l'école. J'avais mis à laisser le football parce qu'il m'était à faire mal au genou. Donc j'ai commencé. Après, quand j'ai accouché, le père de ma fille a changé. Il n'était plus trop avec moi. Quand il m'invitait, c'est trop comme ça. Quand il partait au boulot, il ne me gérait pas trop. Vous allez comprendre l'intégralité de cette histoire. Je vous mettrai tout le film, vous allez bien comprendre. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'autre vient dire qu'il est père de l'enfant. Elle confirme que c'est effectivement le père de l'enfant et que le père de l'enfant l'avait abandonné avec la grossesse et n'avait jamais vu l'enfant. Voit l'enfant seulement qu'à travers le téléphone. À la suite de la vidéo, vous allez comprendre comment elle dit qu'elle est tombée même encore enceinte pour une deuxième fois du père de son enfant. Avant d'avorter, je ne comprends vraiment pas où c'est moi, parce que quand je fais souvent mes analyses, on te dit toujours que Franco, tu as la tête dure, tu ne comprends. Essaye un peu de comprendre vraiment aussi ces deux versions, ou bien elle parle d'un autre enfant, ou bien on parle d'un autre enfant, ou c'est le même enfant.
Vraiment, l'histoire, c'est en train d'aller dans tous les sens. Et je ne comprends vraiment pas, les amis. Moi, Minga, dis-nous vraiment qui est le père de l'enfant. Ne nous embrouille pas. De toutes les façons, écoutez un peu l'intégralité de l'histoire. Et on se prend à la fin. Pause publicitaire. Mendes Center, la plus grande entreprise piscicole au Cameroun, lance une grande campagne de formation en pisciculture. Donc désormais, restez chez vous et formez-vous en pisciculture. La formation est seulement en ligne, allant du 25 au 27, donc 25, 26, 27, 3 jours de formation en ligne à 10 000 francs seulement, grâce à l'entreprise Mendel Center. Donc désormais, restez chez vous, formez-vous et élevez vos poissons à 10 000 francs seulement. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. J'ai commencé à travailler dans les snack bars pour acheter le lait. Non, en Balmayo. Pour acheter le lait de l'enfant, pour acheter les couches, pour faire. Tout. C'est sous là de Balmayo. Tous me connaissent, tout Balmayo me connaît. Donc pourquoi tu as beaucoup de followers? La majorité de mes ennemis viennent de ma ville. Tous ces gens qui m'insultent beaucoup viennent de Balmayo. Ouais. Parce qu'ils connaissent l'époque où tu vendais au bar. Voilà. Et comme ils ont le macabre que tu abrises. Est-ce que tu serais prête à le pardonner, à pardonner à quelqu'un, à lui pardonner? Déjà, il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce que lui et moi s'est séparés. Oui. Lui et moi s'est séparés. Moi, j'ai eu l'infection pulmonaire. Quand je tombe gravement malade, on commence à lui dire que non. On commence à lui dire que lui et moi, on ne peut plus vraiment. Il ne peut plus trop m'approcher parce que je suis contagieuse. Et c'est comme ça qu'il commence à me fuir. Et le mariage, vraiment, c'était devenu autre chose. Je suis montée à Yaoundé, venu vivre ici. Malgré ça, on a fait 6 mois, on ne se parlait plus. Après, c'est comme ça qu'on recommence encore nos relations. Quand on recommence, je tombe encore enceinte. Eh oui. Ouais. C'est un tireur. Hein? Quand je tombe enceinte, je lui dis, moi je ne savais pas qu'il y avait une fille. Il m'avait dit non, recommence une corrélation. Quand je tombe enceinte, il n'est pas en bas, il dit que je suis enceinte. Il dit jamais. Je dois enlever la grossesse. Mais il arrive chez lui, il trouve qu'il y a une fille. La fille a lavé les habits le jour, il a porté la bassine d'habits, j'ai fait ça. Il voulait la battre en fait. J'avais la rage. Et après, au lieu de taper la fille, le gars m'a tapé. Il m'a bastonné, je suis rentré chez moi. Et après, il a encore venu me taper chez moi ici à Yaoundé où j'ai payé mon argent. Okay. Et après 3 jours, j'ai fait une fausse couche. J'étais à 3 mois de grossesse. Wow, c'est là criminel. Où j'ai commencé à le détester. Parce que je le déteste pas parce que c'est d'abord un irresponsable, déjà à la base. Un irresponsable. On va avoir son nom, sa photo. Il n'y a pas la photo, mais il s'appelle son quoi compte dans la Facebook. Signalez-le. Voilà. Donc après, c'est pour ça que j'ai commencé à le détester. Mais après, moi, je ne l'ai pas donné depuis. Okay. Il te cherche quand même encore. Oui, chaque jour. Il y en a touché de Insta, le gars, il veut dire que non. Regardez, ça c'était mon oui. Il m'avait d'abord dit que c'est sa mère qui avait fait que le monde se sépare maintenant. Parce que sa mère est décédée le jour qu'on tournait le clip de Happy. Sa mère était morte. Bah, laisse, elle est plus là. Pourquoi tu mets le nom de Happy? Oui, parce que c'est le souvenir. Le jour là qu'elle était décédée. Oui. Okay. Non, maintenant quand il revient, moi je suis plus là. Ça, tu es plus là. Parce qu'il n'a pas supporté, il m'a pas supporté. Est-ce n'a que pas tu attendu. Es à l'Odeï de ta belle-mère? Oui, je suis à l'Odeï. On t'a fait t'asseoir sur le... Toute la famille, mais lui, comme il était avec sa go, il m'a ignoré. Mais le matin, quand je rentrais, il est venu pour dire que non, c'est parce qu'il était trop endeuillé. Mais c'est l'Odeï qui lui touchait, machin, tout, il veut que je reste. C'est quand il est chez moi qu'il vient me dire ça, mais chez lui, il ne peut pas partir. Il n'était pas là. Il dit que je n'ai jamais vu son enfant, je le vois son enfant à travers les téléphones. À travers les téléphones, quand il veut causer, quand j'ai l'occasion, quand l'enfant vient ici, là, il connaît son enfant, il n'a jamais vu l'enfant. Aujourd'hui, là, tu viens réclamer l'enfant, jusqu'à tu parles à haute intelligence, tu vois, genre, l'enfant aura une belle vie en Europe. Depuis que l'enfant est né, tu as entendu que l'enfant là souffre, ou bien l'enfant va mal, ou bien l'éducation de l'enfant se porte bizarrement. Quand l'enfant vient ici, quand il cause avec toi, tu as l'impression que c'est l'enfant qui vit mal. Hein? Donc tout ce que tu racontes là n'a pas sa place. Tes excuses même là n'ont pas leur place. Il faut que tu te lèves, tu arrives au Cameroun, tu payes le billet uniquement pour l'enfant. Tu viens voir l'enfant avec les yeux avant de partir et qu'on va décider maintenant pour le bien de l'enfant. Pour le moment là, mon enfant ce n'est pas le fardeau, ce n'est pas mon osso de manioc. Que dès que tu vas venir dire en direct devant les gens que mon enfant, je vais tourner mon enfant. Tu n'as jamais pris soin de l'enfant là. Tu ne t'es jamais. Les petits miettes même que tu commences à envoyer les 30 000 et 50 000, il n'est pas côté ça. Attends. Et côté ça, maintenant, il t'envoie tout ça pour Orange Money. Pour te montrer que tous les machins que tu racontes là que. Pas encore arrivé à ce niveau. Non, moi, Minga, on n'est pas là. On n'en arrive pas là. Que le gars que vous voyez là, je le connais. C'est moi qui connais mon élément. Je connais qui il est. Il n'a jamais vu son enfant avec les yeux. Aujourd'hui, il vient se placer pour dire qu'envoie-moi mon enfant.
sur le morceau de manioc, sur les arachides du deuil, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Et tu penses, parce que tu vas voir les gens qui t'ont dit que va demander, ce n'est pas le genre d'excuse là. Vous êtes les mères d'enfants, vous toutes. Je peux parler. Je ne suis pas sûre qu'une mère d'enfants peut accepter le genre. Tu as raison, ma chérie. Donc, je ne suis pas sûre qu'une femme comme vous, il y a une femme qui peut accepter ça, qu'un homme se lève, il n'a jamais été là pour son enfant. Parce qu'il a fait peut-être que, ça fait peut-être un an et demi qu'il il envoie un peu les 3, les 30 000, les 25 000, les 15 000, qui va dire que non, envoie-moi mon enfant. Non, en fait, Joël, c'est pas le montant, moi, c'est les 300 euros, là, c'est... Dieu, les familles. La place de la femme, c'est la cuisine. Voilà. Vous-même, vous avez compris. Bon, je ne sais pas si on parle du même enfant ou c'est moi qui ai les problèmes de compréhension. De toutes les façons, hein. Que Dieu vous garde. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.